Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Et aujourd'hui, comme vous le savez, on a déjà fait les invocations sur Shive. On a déjà fait aussi la review du perso, donc à quoi servent ses compétences, etc. Je vous les mettrai sur le bouton i juste ici si vous les avez loupés. Aujourd'hui, on fait place au test du perso. Donc Tartaglia, Tagliatelle, Tartalia, vous l'appelez comme vous voulez, Shive. En tout cas, il est là le beau gosse, le petit roublon vénitien qu'on va venir tester aujourd'hui. Et il est assez cool. Donc, bref, rappel, c'est un perso qui a une posture au corps à corps et une posture de loin avec un arc. Il va venir avoir deux ultis différents et il va avoir une marque principale qui va exploser à certains contacts et infliger des dégâts au perso environnant, au monstre environnant bien sûr. Donc, on va commencer tout simplement par le stuff et puis après on ira tester tout ça. Let's go. Alors, pour ce qui est du perso, comme vous le voyez, on l'a monté level 80. Au niveau de l'arme, on va avoir l'arc rouillé qui va permettre d'avoir de l'attaque en pourcentage comme stats de base. Il va avoir un effet qui est plutôt pas mal, mais peut-être contraignant pour certains. Augmente les dégâts infligés par les attaques normales de 40%, ce qui est quand même assez conséquent. Et réduit les dégâts infligés par les tirs visés de 10%. Donc moi, je vais plutôt jouer de façon à faire plus de tirs normaux que de tirs visés. Donc quand vous concentrez le tir et vous allez envoyer l'élément hydro dans la flèche, c'est là que c'est un tir qui est visé. Alors concernant ces stats qu'on a augmenté, donc ça va être tout simplement le taux de critique, les dégâts critiques et l'attaque en pourcentage bien sûr. Donc ceci est un stuff donc qu'on a composé pour le moment. Ça va être un stuff entre guillemets intermédiaire bien sûr. On n'est pas encore dans le endgame etc. Mais il est très bon pour autant. Vous voyez, on a des artefacts qui sont 4 étoiles et non 5 étoiles. Ça se travaille au fur et à mesure, mais je trouvais très intéressant déjà de vous faire un premier point quelques jours après sa sortie. Et on refera une review beaucoup plus complète après quelques semaines lorsqu'on aura des meilleurs stuff. Mais déjà, c'est déjà pas mal, vous allez voir. Hein. On va avoir un petit haut de forme du chef d'orchestre qui va nous ajouter 46% de dégâts critiques, ce qui est quand même assez conséquent. On va avoir aussi du taux de crit comme on l'a vu tout à l'heure et de l'attaque en pourcentage, donc très bon à ce niveau-là. Ce haut de forme, on n'a pas rempli de set avec, en fait ça va être l'élément tout seul dans notre set d'artefacts, sachant qu'on a deux autres sets qui sont actifs. Donc on a le premier set, le Berserker, où on a deux pièces qui permet d'avoir 12% de taux de crit en plus, qui vont être très intéressants ici. Donc, on va avoir dessus un boost en taux de crit sur les substats et un bonus en dégâts physiques sur la stat principale. Comme je vous l'ai dit, on va beaucoup spam en fait les coups à l'arc non visé. Donc, cette stat-là, elle est très intéressante, sachant qu'il n'y a pas actuellement de panneau avec l'élément hydro. Donc, il y a des panneaux disponibles pour l'élément pyro, électro ou encore vent. Mais pour l'élément eau, malheureusement, on n'a pas encore de panneau. Donc, à voir par la suite. Pour l'instant, on va se contenter de dégâts physiques, ce qui est très bon. On va avoir le sablier du Berserker, attaque en pourcent de la même façon. Un peu de recharge d'énergie, ça fait toujours plaisir. On va avoir la plume du noble, du coup le deuxième set qui va venir augmenter les dégâts infligés par les déchaînements élémentaires de 20%. Donc attaque de base, ça a toujours été ça sur les plumes, c'est l'artefact qui ne change pas. Par contre, au niveau des substats, vous voyez qu'on a quand même quelque chose d'assez énervé. Dégâts critiques, taux de critique et recharge d'énergie. Le set qui va venir compléter tout ça, ça va être la fleur du noble, donc le deuxième artefact pour le set noble. Donc on va avoir des dégâts critiques dessus, de la maîtrise élémentaire et recharge d'énergie ainsi que des taux de critique. Donc comme vous le voyez, tout ce qu'il lui faut en fait pour proc ses réactions élémentaires, faire pas mal de dégâts et augmenter son taux de critique. Au niveau des constellations, on n'a pas eu de doublon, donc ça va être un perso niveau 0 niveau des constellations. Ce que je trouve plus intéressant, parce que de toute manière, la plupart des gens n'ont pas de doublon sur le perso, et vient de sortir. Et déjà que l'avoir, ça coûte pas mal cher au niveau primogème et financier. En plus de ça, avoir un doublon dessus, c'est assez ouf. Au niveau des aptitudes, comme vous le voyez, on est quand même pas mal monté. On va avoir l'attaque normale niveau 6 qui va passer niveau 7. Pourquoi? Parce qu'on va avoir le talent de Tartaglia, donc, qui fait qu'il va augmenter le niveau des attaques normales de vos personnages de 1. Donc ici, vous voyez que c'est surligné en bleu, c'est parce que de base c'est 6 et ça monte à 7. Et ça, il fait ça pour tous les persos de l'équipe. Donc tous vos persos avec les attaques de base vont faire plus de dommages et ça, c'est assez énervé. On va avoir du coup son changement de position niveau 6, son ulti niveau 6, sachant qu'il va avoir deux ultis, un pour le mode au corps à corps, un pour le mode à distance. On va avoir son petit passif, l'effet contre-courant est prolongé de 8 secondes, donc l'effet du marquage qui va appliquer
lorsque soit il fait un coup critique, soit il fait un tir chargé. Et là, on va avoir du coup l'autre passif qui est que les ennemis qui subissent des coups critiques vont être marqués du coup par ce marquage-là et donc pouvoir déclencher la réaction derrière. Alors, on va commencer par déjà les dégâts de base du perso. D'ailleurs, au moment où je sortirai cette vidéo, je serai en live sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre, on fait des lives tous les jours vers 19h30. Mais aujourd'hui, là, quand je posterai cette vidéo, bon, on sera directement en live. Donc si vous voulez passer pour un peu discuter ou faire de la coop, vous êtes les bienvenus. Donc on va commencer par l'attaque de base. Voilà, on lâche un petit 2600 critique, hein, comme on voit, c'est quand même pas mal du tout pour un perso à distance, hein, je le rappelle, 2700 critiques, sachant que j'ai 30%. Assez énervé quand même le Tartak. On va lâcher un petit tir chargé pour voir un peu les dommages qu'on peut infliger. 3300, ce qui est, ma foi, pas mal du tout sur le perso. Donc voilà pour les attaques de base à l'arc. Donc maintenant, on va passer aux attaques de base avec les dagues. Donc là, on va utiliser la posture au dag. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser tranquillement. On va venir appliquer un tir chargé. Hop. Ah, petit fail de ma part. Voilà, c'est à poser. On va venir changer de posture. Et comme vous le voyez, la marque explose. Et fait quand même énormément de dégâts en zone. Ici, on a un petit bouclier qui va proc. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer les réactions élémentaires. Par exemple, avec une fichelle, hop, on va le mettre ici. On va le remettre. Ici, vous voyez qu'on n'a pas la posture encore qui est chargée. Vu qu'on vient de changer, il faut attendre un peu avec les dagues. Et que fichelle est en train juste de les exploser. Hop, on va rechanger. Hop. Assez énervé les dégâts, comme vous pouvez voir. Sachant que, contrairement à la forme à l'arc, en fait, celle au corps à corps va pouvoir infliger des dégâts de zone, comme vous le voyez. Donc là, on a du 1060 en moyenne, du 1000. Sachant que ces dégâts-là sont en zone, contrairement à l'arc, qui va avoir des dégâts simples. Donc je pense que ce changement de posture est vraiment un truc très intéressant en fonction de ce que vous voulez faire. Là, on l'atteste du coup, son tir chargé, ses attaques de base au corps à corps et à distance. Maintenant, on va voir un peu tout ce qui est ulti et combinaison élémentaire sur des mobs un peu plus conséquents. Donc comme vous le voyez ici, on a l'ulti qui est disponible, on a aussi l'ulti de Vanchi qui est dispo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller faire cette petite ligne énergétique. On va déposer, hop, pour faire les réactions élémentaires. Alors vous voyez, à Vanchi, on va venir, hop, directement mettre l'ulti. On va changer pour Tartaglia qui va aussi apposer son ulti. On va changer en mode sac. Et là, vous allez voir, ça va être juste un délire. Comme vous voyez, les dégâts sont vraiment impressionnants. On va venir rechanger en mode à distance. Hop. On a le temps de recharge qui est de 19 secondes. Comme vous le voyez, c'est pas grave. Hein. On va laisser la petite fleur de feu nous mitrailler tranquillement. On va venir esquiver ses coups. Ah, ça arrête pas. Hein. Hop. On va repasser du coup au corps à corps. On va venir directement lui infliger des dommages. Comme vous le voyez ici, elle a une faiblesse à l'eau, donc on lui fait un peu plus de dommages. On a fait un critique à 1600 quand même, ce qui est pas dégueu pour le coup, surtout pour un perso à distance en fait. Hein. C'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'à la base, c'est un perso qui est à distance. Le combo avec Vanchi, comme vous l'avez vu, et Fischl, il a tout simplement implosé le blob principal. Et on a pu infliger énormément de dégâts de zone en fait avec ses marquages. La raison pour laquelle on va l'apporter dans la team, ça va être ces combats qui vont être en fait avec beaucoup plus de monstres, où on va pouvoir proc beaucoup plus de fois la marque qui, je le rappelle, est effective et se propage aux monstres environnants lorsque elle explose, lorsque le monstre meurt. Voilà un mob un peu plus coriace qui est la plante de feu. Donc là, ça va être une target mono-cible. C'est vrai que c'est moins intéressant pour Tarta, mais on va pouvoir voir les dégâts qu'il inflige, sachant qu'en plus l'élément pyro est faible à l'eau. Donc comme vous voyez ici, on a en plus l'ulti Vanchi disponible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement venir l'attaquer avec le Tarta. Sachant que la plante est faible aux dégâts qui sont hydro. Et on va venir tout simplement la bourriner au corps à corps, hein, tranquillement. Avec Barbara, ça va être beaucoup plus rapide pour le coup. Hop. Voilà. On a Vanchi, donc ici, on va lâcher l'ulti. On va lâcher Tartaglia. On va lâcher, hop,
son mode au corps à corps. Et attention, ici, l'ulti directement qui va faire quand même pas mal de dégâts. J'ai pas pu voir. Je vous mettrai le ralenti. Mais en tout cas, je pense qu'il a dû faire quand même de très bons dommages. Donc on va se reculer, sachant que on fait un peu moins de dégâts au boss. Hein. Clairement, vous voyez que tout à l'heure, on était sur des valeurs beaucoup plus hautes. Ici, vu que c'est un boss, on va faire beaucoup moins de dommages. Hein. Il a plus de défense. C'est pour ça que c'est un peu moins impressionnant sur les gros boss, concrètement. Hein. On va venir infliger. Hop. On va venir passer au mode au corps à corps qui va directement infliger les dégâts hydro qui nous manquent. On voit qu'on fait du 2258 quand même, hein, ce qui est pas du tout dégueulasse. Et on va venir faire tomber ce boss là. Donc voilà, je pense qu'on a un peu vu de quoi le perso était capable. Moi je le trouve vraiment pas mal pour le coup. Hein. Ça permet de jouer à distance et de près en même temps. On voit que en fait le mode Okag va être beaucoup plus intéressant lorsqu'on va avoir plusieurs cibles qui vont être paquées pour propager plus rapidement l'effet et taper en zone. L'élément le mode de jeu à distance va être beaucoup plus préférable parce qu'on va avoir par exemple un gros boss comme ça pour lequel il va falloir esquiver des coups. Donc l'arc il va être auto-guidé, on va juste avoir à spam. Il fait pas mal de dégâts à distance avec, hein, avec l'arc que je lui ai mis là. Vous voyez qu'on a des critiques tout à l'heure, 3000 de critiques sur des persos qui n'ont pas vraiment énormément de défense. Sur les boss, ça fait un peu moins de dommages, mais comme vous le voyez, c'est quand même très efficace. J'attends vos retours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Le petit pouce bleu et l'abonnement, ça ferait grandement plaisir. Je vous rappelle qu'on est en live sur Twitch tout de suite, là où je mets la vidéo en ligne. Donc n'hésitez pas à rejoindre, c'est dans la description. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.